Sinon, ton corps là, tout est déchiré. Et quand faut te mettre à maillot de bain, on va voir. Fesse, zébré, on dirait ton fouetté, c'est gâté. Tout est du pourri. Mais tout même là, on se concentrait pour mon goût. Tout est pourri sur toi. C'est ton visage seulement les gens ont vu. Sur dont ton corps est déchiré. Mais tout même là, on se concentrait pour Mougou. Tels sont les mots, bien sûr, de Peter007. Coucou, salut mes premiers d'entrée de jeu. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Activez la cloche de notification. Là, dès qu'on met en ligne de nouveaux contenus, vous êtes rapidement informé. Peter007 a bien sûr taclé Emmanuel Keïta, déshabillé, lapidé partout Emmanuel Keïta. Donc, je vous prie, bien sûr, de suivre cette news du début jusqu'à la fin parce que juste après mon introduction, vous allez entendre, bien sûr, les mots de Peter007. Il n'a pas été du tout tendre envers Emmanuel Keïta. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles informations. Poursuivez vos rêves. Ils connaissent le chemin. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Mais il y a quoi, madame? On s'est bloqué là. Tu me cherches partout pour me parler. Moi, je veux plus de toi. Moi, je t'ai fui. Hein? Moi, je veux plus de toi. Je t'ai fui, madame. Et j'ai tout ce qui... J'ai toutes les preuves aujourd'hui. T'es une droguée, une rienneuse. Tu fais croire aux gens que tu as l'argent, peut-être tu n'as rien. C'est moi, il t'ai nourri. Tout le temps, là, je t'ai nourri. Et j'ai les preuves, je suis sur mon compte ici. Et moi, il serait ton terminus. Voilà, pauvre femme, menteuse, escroc. Et tes soeurs, là, tes camarades, là, elles vont escroquer les millionnaires, les milliardaires. Toi, tu escroques quelqu'un qui se cherche. Et toi, tu dis, toi, tu nourris quelqu'un. Tu discutes pour les 300 euros, 500 euros. Et quand tu es malade, toute ta vie, ce sera du scandale parce que tu es malade. Tu ne peux pas admettre que tu es malade. Je sais que où tu es là-bas, là, tu as voulu. Je te manque. Parce que tu sais qu'il était vrai, toi. Je te manque, tu souffres. Ah, vraiment. Putain, il était gentil avec moi. Pourquoi je l'ai fait ça? Pourquoi? Je sais que tu souffres. Mais ça va aller. C'est déjà trop tard, ma chérie. C'est pas la peine de me chercher pour m'écrire. C'est déjà trop tard. C'est fini. Adios, maman. Adios. Allez là, moi, j'aurais pris ma vie. Hein. Moi, j'aurais pris ma vie. Il y a une nouvelle petite, là, elle va tuer. Elle n'est pas artificielle. On la mougou pas dans le noir. Ton corps zébré, tout est gâté sur toi. Je crois pourquoi tu ne vas sortir les bosses là, parce que tout ton corps est gâté. Ta peau est déchirée, tout est pourri sur toi. C'est ton visage seulement les gens ont vu. Sinon, ton corps là, tout est déchiré. Et quand faut te mettre à maillot de bain, on va voir. Fesse, zébré, on dirait ton fouetté, c'est gâté. Tout est du pourri. Mais tout même là, on se concentrait pour mon goût. Qu'est-ce qu'on voulait faire du sérieux avec elle? Là, toute ta vie, ce sera du scandale parce que tu es malade. Tu peux pas admettre que tu es malade. Je sais que où tu es là-bas, là, tu as voulu. Je te manque. Parce que tu sais qu'il était vrai, toi. Je te manque, tu souffres. Ah, vraiment. Putain, il était gentil avec moi. Pourquoi je l'ai fait ça? Pourquoi? Je sais que tu souffres. Mais ça va aller. C'est déjà trop tard, ma chérie. C'est pas la peine de me chercher pour m'écrire. C'est déjà trop tard. C'est fini. Adios, maman. Adios. Allez là, moi, j'aurais pris ma vie. Hein. Moi, j'aurais pris ma vie. Il y a une nouvelle petite, là, elle va tuer. Elle n'est pas artificielle. On la mougou pas dans le noir. Ton corps zébré, tout est gâté sur toi. Je crois pourquoi tu vas sortir les bosses là, parce que tout ton corps est gâté. Ta peau est déchirée, tout est pourri sur toi. C'est ton visage seulement les gens ont vu. Sinon ton corps là, tout est déchiré. Et quand faut te mettre à maillot de bain, on va voir. Fesse, zébré, on dirait ton fouetté, c'est gâté. Tout est du pourri. Mais tout même là, on se concentrait pour mon goût. Parce qu'on voulait faire du sérieux avec quelqu'un. Sinon, Eka, toi, tu ne peux pas sortir une bonne personne qui va durer avec toi. Parce qu'il va voir ton vieux, il va vouloir te mougou. Il va te mougou un mois, deux mois après, il va tomber en brousse. Il ne dit pas que tu ne peux pas avoir quelqu'un, mais tu ne vas pas aller quelque part avec la personne. Parce que tu es artificiel et puis rien n'est bon sur toi. Tout est trafiqué, gâté. Eh, tu vois. Non, il a eu. En tout cas, pardon, ne cherche plus à m'écrire, pardon. Il t'a eu. Maintenant, tes actions que tu dis, tu as menées là. Je suis serein, ne t'inquiète pas. Voilà, moi je sais ce qu'il fait. Je suis pas con. Je connais mieux la loi que toi. C'est toi qui n'as pas papier. Et puis on m'a expliqué ton histoire de papier à la préfecture. Tu oublies que je connais des gens qui travaillent à la préfecture de Bobigny. Ils m'ont expliqué ton histoire de papier là. Faux et usage de faux. T'inquiète pas, tout ça là, je viens de tes vacances et tu vas apprécier. Tu sais que le voice où tu as dit Kafumba t'a demandé de l'argent là, moi il y a ça. Je vais balancer ça. Et il va voir ton vrai visage. Voilà. Ah, il a dit, t'es trop petit. Il a dit, je serais ton terminus.
Depuis là, il ne parle pas parce que les gens m'ont calmé. Mais t'inquiète pas, à un mois là, c'est la guerre froide. C'est la guerre froide. On va aller doucement, doucement, un peu, un peu. Et quand tu es malade, toute ta vie, ce sera du scandale parce que tu es malade. Tu ne peux pas admettre que tu es malade. Moi, j'ai repris ma vie. Moi, j'ai repris ma vie. Il y a une nouvelle petite, là, elle va tuer. Elle n'est pas artificielle. On ne la mougoue pas dans le noir. Ton corps zébré, tout est gâté sur toi. Je crois pourquoi tu vas sortir les bosses là, parce que tout ton corps est gâté. Ta peau est déchirée, tout est pourri sur toi. C'est ton visage seulement les gens ont vu. Sinon ton corps là, tout est déchiré. Et quand il faut te mettre en maillot de bain, on va voir. Fesse zébré, on dirait ton fouetté, c'est gâté. Tout est du pourri. Mais tout même là, on se concentrait pour mon goût. Parce qu'on voulait faire du sérieux avec quelqu'un. Sinon, Eka, toi tu ne peux pas sortir une bonne personne qui va durer avec toi. Parce qu'il va voir ton vieux, il va vouloir tes mougou, il va te mougou un mois, deux mois après, il va tomber en brousse. Je ne dis pas que tu ne peux pas avoir quelqu'un, mais tu ne vas pas aller quelque part avec la personne. Parce que tu es artificiel et puis rien n'est bon sur toi. Tout est trafiqué, gâté. Eh, tu vois. Un mois, c'est la guerre froide. Tu connais la guerre froide, non? C'est-à-dire qu'on ne fait pas bruit. Mais chaque jour, il est allumé. Les gens vont voir ton vrai visage, ta maladie là. On va t'obliger à te soigner. Voilà, tu n'as plus fait, tu n'as plus manipulé, volé, escroqué quelqu'un encore de toute ta vie. Et je suis ton dernier, ta dernière personne que tu veux escroquer. Ok? Voilà, donc tu peux dissuader qui tu veux, tu peux voir le nombre de personnes que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Moi là, je suis serré, ma petite. Voilà, donc, ciao, ciao. Bisous, bisous, maman. Et je dis, commence à assumer ta maman. Voilà, il ne faut pas avoir honte de sa maman. Une maman, là, on n'a pas honte d'elle. Et tes enfants là, apprends à bien les habiller. Les pyjamas là, tout est déchiré. J'ai les photos et les vidéos de ça. Tout est déchiré. Tu vois, hein? Moi je veux plus de toi. Je t'ai fui, madame. Et j'ai tout ce qui. J'ai toutes les preuves aujourd'hui. T'es une droguée, une rienneuse. Tu fais croire aux gens que tu as l'argent, pourtant tu n'as rien. Ça te doule. Quelqu'un qui n'arrive même pas à assumer sa mère. Tu te dis, star, tu n'arrives même pas à assumer ta maman. Une famille de mythomanes, de menteuses et menteurs. Mythomanes, votre maman est milliardaire. Ta maman est milliardaire, tu n'arrives même pas à rembourser mes 5000 euros. Moi, j'ai causé avec Monica. Monica est rentrée à contact avec moi après le voyage de M. Gérard et moi. Là, quand elle a attendu, elle est rentrée à contact avec moi. Elle m'a tout expliqué, elle m'a envoyé les factures. Tu lui disais de jouer le jeu. Elle m'a dit, elle ne veut même plus travailler avec toi parce que tu es une malade. Je l'ai enregistré, je l'ai prouvé ici. Voilà, donc je t'attends. Tu vas dire ce que moi je t'ai fait là. Et puis tu m'as escroqué là. Pauvre femme. Quand on a l'argent, on n'escroque pas les gens. Quand on est riche là. Quand d'après toi tu nourris les gens là. Quand on nourrit les gens, on n'escroque pas les gens. Mais tu dis tu me nourris et puis tu m'escroques. Il faut escroquer les gens riches. Les babatiens. Mais tu escroques quelqu'un qui se cherche. Hein? Tu escroques quelqu'un qui se cherche. Escroquer quoi? 500 euros, 1000 euros, 3000 euros. Monica m'a écrit, elle m'a écrit, on s'est appelé, elle m'a tout expliqué de A à Z. Elle est prête même à témoigner, même si elle veut pas. Je sais que tu vas l'appeler pour le pas qu'elle témoigne, elle a managé. Mais moi, j'ai déjà tout enregistré. J'ai tous les preuves ici. Tu dis que tu as un congé, non? Moi, je t'attends. Je t'attends. Congé de Facebook là, je t'attends. Je serai ton terminus. Moi, je serai ton terminus. Voilà.